Bienvenue à tous. À l'affiche, un artiste caméléon, des enfants pleins de bonnes idées pour la planète, star d'un documentaire, et deux réalisatrices de dessins animés, Sahara Palace et Molang, qui bousculent les codes. Il est surnommé l'homme invisible. L'artiste chinois Liu Bolin s'est fait connaître dans le monde entier pour disparaître dans le décor de ses photographies. C'est ainsi qu'il incarne une protestation silencieuse, se servant de son invisibilité pour se faire remarquer. Liu Bolin était de passage à Paris pour inaugurer sa dernière série, Se cacher sous le 38e parallèle nord. Ses œuvres remarquables sont exposées à la galerie Paris-Beijing, où Lucie Barbazange l'a rencontré avec l'aide de Culture Secret. Vous le voyez ? Mais si, là ! Pour cette nouvelle performance, c'est au sein même de la dictature nord-coréenne que Liu Bolin est allé jouer au chat et à la souris. Des lieux lui ont été proposés par le département de la propagande. Il en a choisi 7. Des images d'endoctrinement dans lesquelles, armé de peinture, il s'est dissimulé. Sur cette image, c'est un théâtre local nord-coréen avec des affiches, des pièces jouées dans ce théâtre. Pour moi, c'est comme un souvenir d'enfance, car les couvertures des livres que j'ai lus enfant, en Chine, sont à peu près toutes des images de ce genre. Si en apparence Liu Bolin joue le jeu du régime nord-coréen, en fait, il dénonce une mise en scène factice, comme dans ce supermarché. En images opulence et diversité, en réalité, un magasin réservé aux touristes étrangers, peu représentatif du reste du pays. L'exposition est aussi l'occasion de découvrir les derniers dessins et sculptures de l'homme caméléon, très attaché à la France. La France est un pays qui me porte chance. J'ai pris autant de photos en France qu'à Pékin. Ma première exposition personnelle a eu lieu à Paris en 2005. Mon professeur de master venait des Beaux-Arts de Paris. Et donc je pense que ma façon de créer et mes inspirations sont liées à Paris. L'incendie de Notre-Dame, l'attentat de Charlie Hebdo, ces tragédies touchent les Français et donc l'artiste chinois. Charlie Hebdo a eu lieu le 7 janvier 2015. C'est le jour de mon anniversaire. Depuis cette année-là, mon anniversaire n'est plus un jour joyeux. En fait, dans toutes mes œuvres, l'angoisse de la mort et l'appréhension de la mort sont omniprésentes. À travers ses œuvres, c'est finalement sur la disparition de l'individu en tant que libre penseur que Liu Bolin veut faire réfléchir. Au cinéma, à présent, la sortie de « Demain est à nous », le nouveau documentaire de Gilles Demestre. 7 témoignages d'enfants à travers le monde nous interpellent sur l'avenir de la planète et nous proposent des actions concrètes. Aïssatou et José, 25 ans à eux deux, acclamés presque comme des chefs d'État à l'UNESCO par 400 collégiens qui viennent de découvrir qu'on peut être un enfant et bousculer l'ordre établi. Aïssatou, la petite Guinéenne, se bat contre le mariage forcé des filles. José, le petit Péruvien, avait 8 ans quand il a ouvert une banque. J'ai créé une banque pour les enfants et les jeunes. Chaque enfant a le droit d'ouvrir un compte et d'avoir une carte de crédit. Pour ouvrir ce compte, vous devez apporter 6 kilos de déchets et 50 centimes d'euros. Quand le réalisateur les a repérés, ils étaient déjà des petits phénomènes dans leur pays, sous le regard parfois inquiet des parents. Quand je l'interroge, il me dit qu'il est heureux. Deux mômes qui ont défendu leur idée envers et contre tous. Est-ce que vous avez rencontré des opposants ? Moi, je vois que c'est pas facile avec les adultes. Ils nous traitent des filles impolies, des filles mal éduquées. Ils nous disent que nous sommes des petites filles et on n'a rien à leur dire. Quand tu es un enfant, personne ne t'écoute. Il y a même un moment où quand on me disait « tu n'es qu'un enfant », je le prenais pour une insulte. Et pourtant, leur action paye. Celle d'Aïssatou a fait chuter les mariages forcés de 12%. À force de persuasion, la police l'a suivi dans son combat et bloque les cortèges de mariage, comme ici, pour une fille de 14 ans. Après vérification des policiers, l'enfant allait être marié à son cousin âgé d'une trentaine d'années. José, lui, a fait ouvrir 4000 comptes et traiter des milliers de tonnes de déchets. Deux ados étonnants, aussi sereins que déterminés.
Peu importe d'où vous venez, ce qui compte, c'est l'énergie qu'on met pour changer vraiment les choses. Vous, les jeunes, nous, les jeunes aujourd'hui, on peut faire quelque chose et on peut changer le monde. Merci. Demain est à nous aurait pu s'appeler Aujourd'hui est à eux, car leur force de conviction a déjà déplacé des montagnes. Comme l'a dit Mark Twain, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. En octobre 2017, il y a près de 2 ans, débutait le mouvement #MeToo. Il a permis de libérer la parole sur le harcèlement, mais aussi de revendiquer une égalité salariale et plus d'opportunités pour les femmes. Il a secoué aussi bien d'autres industries que celles du 7e art. Regardons justement du côté de l'animation, où les femmes sont nombreuses dans les écoles et les festivals, mais bien plus rarement choisies pour la réalisation de dessins animés à gros budget. Pour les entendre, Renaud Lefort et Nicolas Hoover ont rencontré 2 réalisatrices qui bousculent les codes et posent les bases d'un avenir meilleur. Et là, donc c'est la mallette que j'ai trouvée dans la cave de ma grand-mère, qui renferme tous les effets personnels de mon grand-père, dont le scénario, Sarah Palas. Un scénario terminé en quelque sorte 38 ans plus tard par sa petite-fille, la réalisatrice de films d'animation Zélie Durand. On l'appelait le phénix, l'oiseau qui renaît de ses cendres. Mon père a disparu à 47 ans. Je ne l'ai jamais rencontré. C'était peu de temps après avoir écrit ce scénario. Puis il a toujours voulu réaliser ce film, ce long métrage qu'il a porté pendant des années et des années, malgré le fait qu'il était très malade. Malheureusement, il n'a pas pu le faire. C'est toute l'histoire de mon film, en fait. C'est reprendre ce scénario qu'il n'a pas pu réaliser parce qu'il est décédé. Et c'est très malheureux, sachant qu'il était dans ce milieu où il aurait pu, en fait. Il avait ce qu'il fallait pour le faire. Autre style d'animation, l'une des séries françaises les plus exportées dans le monde, Molang. À Paris, dans l'un des plus anciens studios d'animation, Marie-Caroline Villan dirige d'une main de velours la production d'un nouvel épisode. C'est pas mal. Et en fait, je me demande s'il doit pas jeter un œil. Tu sais, faire un mouvement comme ça. C'est bien d'avoir un regard féminin à offrir à la jeunesse. On offre autre chose que des stéréotypes un peu masculins. J'essaye toujours de faire passer un petit message, même s'il est tout petit. Il faut leur dire quelque chose à ces gamins. Il faut leur dire le monde est beau, mais il faut toi aussi que tu le rendes beau. Donc voilà. Et c'est pour ça que, par exemple, mon Molang, il n'est ni garçon ni fille. On m'a beaucoup posé la question. Je dis, non, c'est un être. Cet autodidacte a longtemps hésité à prendre les rênes de cette équipe de 80 personnes. Je n'ai pas eu d'obstacle majeur. Simplement, je me suis pas permis d'y penser. Alors, est-ce qu'il est dû parce que je suis une femme ou est-ce qu'il est dû parce que je viens pas du sérail? Je peux pas faire la part des choses là-dessus. Je peux pas. Voilà, je ne sais pas. Je pense que si effectivement j'avais fait une école d'animation au départ, j'aurais peut-être eu une volonté plus franche et plus déterminée dès le départ. Diplômée d'une prestigieuse école et à seulement 26 ans, Zélie n'est pas encore à la tête d'un grand studio, mais reste très lucide sur le milieu du cinéma. Les clients, les personnes pour lesquelles on travaille, les producteurs, quand ce sont des hommes, c'est vrai qu'il peut y avoir des problèmes à ce niveau-là. C'est difficile d'être prise au sérieux. Ça m'est déjà arrivé d'être à une réunion où j'étais la personne en charge du projet. Et en fait, on ne me regardait pas dans les yeux, on ne parlait pas vraiment à moi, alors que c'était moi qui était là pour ça, quoi. Cette année, son court-métrage, Sarah Palas, a même été projeté au Festival d'Annecy. Zélie Durand compte bien revenir très rapidement avec un long-métrage,
et allonger la liste très réduite des femmes réalisatrices. Et c'est déjà la fin de cette émission. Vous pouvez la retrouver sur tous nos réseaux sociaux et sur France24.com. On se quitte avec la mise en scène incroyable du défilé de la Maison Saint-Laurent au pied de la Tour Eiffel, une collection femmes printemps-été 2020, bohème, élégante et résolument moderne. Événement dans l'événement, Naomi Campbell en smoking scintillant a clos le défilé. We'll be right back.